J'exècre la nature, absolument. C'est elle qui fait que nous devons tous mourir, mais non seulement mourir, mais nous dégrader. Et c'est une torture absolument abominable. Et c'est irréversible, et on ne peut pratiquement rien faire. Cette œuvre qui s'intitule L'écorché en liberté est très emblématique en fait de toute mon œuvre. C'est en même temps un portrait et un portrait qui est, on pourrait dire, mutant, cyborg, qui s'est débarrassé de sa peau, mais qui donc dans cet travail d'écorchement n'a plus d'interface avec le monde. Donc c'est quelque chose qui en fait est une liberté qui est extrêmement fragile, extrêmement vulnérable. Dans la première partie de mon travail, je m'intéressais vraiment et à la fois à ma culture et à mon identité, qui suis-je? Et là, effectivement, avec mes opérations chirurgicales où je me suis inventé, où je me suis sculpté moi-même en me faisant un visage avec ces deux bosses, j'ai fait de nouvelles images où j'ai invité l'autre. Et donc, j'ai fait référence aux précolombiens, aux Africains, aux Amérindiens, on pourrait dire les invitant dans mon image. C'est absolument inviter l'autre et accepter l'autre, parfois s'identifier à l'autre. Non seulement je suis, mais je somme, c'est-à-dire que ce sont les autres qui parlent en moi. La plus belle leçon que j'ai pu recevoir, c'est une leçon qui vient d'Italie, qui vient du baroque. Et le baroque dit en même temps le bien et le mal. L'extase de Sainte-Thérèse qui est à la fois extatique et érotique. C'est cela que j'ai toujours essayé en fait de travailler.